En fait, j'ai fait du cirque et j'ai fait du monocycle. Et puis, je faisais de la musique et beaucoup d'accordéon. Un jour, je sais faire les deux, pourquoi je ne ferais pas les deux ensemble? Et à un moment donné, je suis allée, vas-y, j'essaye. Et puis, mon aiguille s'est retrouvée à marcher pas trop mal. Du coup, pour bosser, j'ai fabriqué un faux accordéon. Donc, en fait, j'ai pris une housse d'accordéon souple. Avec, j'ai mis un duvet dedans, des annuaires, des bouclins, un truc pour le lester au poids de l'accordéon. Je dois connaître le festival, je pense, depuis 2 ans, par Pierre René. En fait, j'ai joué un autre spectacle quand j'étais encore en formation à l'école des cirques de l'homme au Turbulente. Et Pierre-René était notre parrain. Il m'a ramené jusqu'aux belles bretelles. Non, en fait, l'année dernière, il m'est arrivé un truc assez drôle. Enfin, il y a 2 ans. J'avais besoin de loge pour pouvoir m'échauffer, me changer. Alors, regarde, là, sur le chapiteau, on a bloqué un espace avec la réserve de bière. Au fur et à mesure que le festival passait, j'avais de plus en plus de place pour m'échauffer. C'était assez impressionnant. Je trouve que c'est vraiment un festival. Qui est humain, et du coup ça c'est super chouette de jouer dans ce genre de lieu.